Question 11. It is given that x follows Poisson distribution with parameter lambda n. In the donné equation, qui probability x égale 0 lit 2 fois probability x égale n, find the value of lambda. Alors ici, l'indice probability x égale 0, nous calculons i power négative lambda fois lambda power x, x est 0 ici, divisé par 0 factoriel. Ça lit pour 2 fois probability x égale n, nous calculons par i power négative lambda fois lambda power 1 over 1 factoriel. Ok, nous organisons. Divine i power négative lambda fois lambda power 0, divine n over 0 factoriel, divine n même. Ok, next. Ça lit pour égal 2 fois i power négative lambda fois lambda, divine lambda over 1 factoriel, divine 1. Ok, alors nous equation qui devient i power négative lambda fois n divisé par n, divine i power négative lambda égale 2 fois lambda i power négative lambda. Alors nous pouvons solve sa equation là. Qui nous capable faire? Nous capable bring sa terme là à gauche, divine i power négative lambda, retirer 2 lambda i power négative lambda, ça égale 0, nous factorise i power négative lambda, pour reste n retire 2 lambda, ça égale 0. Next, 2 TMP multiplié égale 0, nous dire qui a et z, premier TM là, i power négative lambda égale 0. Ok, pour solve sa equation là, nous pouvons avoir de lambda, nous apply log on both sides, ln, natural logarithm, égale ln 0. Ln 0 n'est pas existé, alors ici, no solution. Next, comment nous pouvons gagner la deuxième réponse? Nous pouvons prendre la deuxième bracket là. Or, 1 minus 2 lambda is equal to 0, négative 2 lambda pour venir 0 retirer n, négative 2 lambda pour venir 0 retirer n fait négative 1, lambda pour venir négative 1 divisé par négative 2, ou valer lambda pour venir half. Ça c'est réponse. Question 12. The number of goals scored per match by Manchester City is represented by a random variable x with mean 2.1. State two conditions for x to be modeled by a Poisson distribution. Alors ici, il demande deux conditions. Nous avons quatre conditions en total. Il demande juste deux là-dedans. Ok, nous sommes capables de donner deux là-dedans. Alors, number of goals. Nous avons dit number of goals. Ok, ça c'est nos x, nos variables x, ok. Nous allons mettre ces deux conditions, ok. Right là, nous allons dire singly and randomly. Nous allons dire independently et à fixe ou soit constant average rate. Il y a quatre conditions totales, mais il demande juste deux. Et dans l'examen, la plupart du temps, il demande deux mêmes. Ok, next, j'ai dit, assume now that x follow Poisson distribution with mean 2.1. Ok, rappelez bien, ça c'est per match. Ok, next. Deuxième partie, l'indice, find the probability that x is in between 3 and 7. Alors, nous répondons une deuxième partie. Rôle de probabilité qui x est pour in between 3 and 7. Alors, entre 3 et 7 qui ben integer, nous avons 4, nous avons 5 et nous avons 6. Alors, nous avons 3 probabilités pour nous ajouter. Nous commençons à ajouter qui nous valait lambda. Rappelle bien les 2.1 ici per match. Ok, nous ajouter. Alors, nous organiser. Premier. I power négative lambda 2.n fois 2.n power 4 over 4 factoriel plus probability x égale 5 pour i power négative 2.n fois 2.n power 5 over 5 factoriel et que nous terminons avec probability x égale 6 i power négative lambda fois lambda power 6 over 6 factoriel. Si nous évaluons, vous trouvez que deuxième partie réponse vient 0.n55. Next, troisième partie. Qui est demandé de la troisième partie? A fan club promises the team a special party if they score at least one goal in each of the next 12 matches. At least one goal. Allez, nous capables de sa probabilité là avant. Probability at least one goal per match. At least one goal c'est greater or equal to 1. Leaving n retire probability x less than 1. Leaving n retire less than 1 when as 0. Ok, leaving n retire probability x égale 0, il peut venir i power négative lambda, lambda li 2.n, fois 2.n power 0 over 0 factoriel. Allez, nous évaluer ça. N retiré i power négative 2.n fois 2.n power 0 divisé par 0 factoriel. Il peut venir 0.878. Ok, nous save sa réponse là parce que nous pouvons servir. Nous servons dans nos calculatrices. Next, nous continuons. Il dit at least one goal in each of the next 12 matches. Next 12 matches. Alors, nous denote n variable y.
Why is the number of matches out of 12 matches that the team scores more than one goal? Ok, ça c'est why. Alors why ici pour faire le binomial distribution, où va le N c'est 12 matchs, et que probability of success pour score more than one goal per match, les 0.878. Et question qui peut dire, find the probability that the team has a party. Alors pour les gains, the party, les plus 1, score at least one goal in each of the next 12 matches. Alors de tous les 12 matchs. Alors nous avons une probability qui y égale 12. Alors nous calculons, les plus 12, c'est 12. Fois probability of success is 0.878 power 12 fois 1 minus 0.878, ça c'est Q probability of failure power 0. Nous évaluer ou vous trouvez qui réponse, si nous faire ça power 12, ok, réponse pour 0.209. alors 0.209, ça c'est réponse pour 12, troisième partie.